ici c'est à l'intérieur de la de l'atelier bois de la paroisse de Kamituga. Alors c'est devenu un centre de formation où il y a la formation à menuiserie, à maçonnerie et dans d'autres sciences, d'autres métiers. Voilà donc ce que c'est devenu. Ce n'est plus très neuf, très pimpant comme c'était à l'époque, où il y avait le père Dioli ici. Mais voilà ce que c'est. Alors vous voyez là-bas une salle probablement de classe de menuiserie où il y a des tables en bois massif. Je crois qu'on fait le rabotage. Et voilà. On va aller voir l'autre entrée de cet atelier. Là-bas, c'est l'école Tangila, la majestueuse école Tangila. Nous avons tous fait nos premiers pas dans l'éducation. Avant de prendre le monde d'assaut, nous avons changé nos armes ici. Lorsque j'étais à l'école primaire, ce bâtiment long là, en brique rouge, c'était les classes de 5e et de 6e. Et tout au bout là-bas, c'était le bureau du grand directeur Kilongo, qui est l'image de la perfection, l'image de classe, l'image de l'intellectuel que nous gardons tous après avoir été éduqués dans cette école qu'il dirigeait de main de maître. Et là, un peu plus loin, c'est le collège Tangila de Kamituga. Nous allons essayer de nous approcher pour voir si on peut mieux voir ce collège. Alors voilà l'autre, le côté arrière de ces nouveaux bâtiments donc construits par le Fonds social. Et en bas, c'est le quartier des enseignants. Si je me rappelle très bien, dans cette maison-là, c'était Mwalimu Lomoa, Romuald. Et la première porte à droite. Et la deuxième porte, c'était, je crois, Bernard, hein, ou Jean-Marie, qui était là. Ensuite, le bâtiment suivant, je vois qu'on a changé la toiture. Il y avait Mwalimu Bernard et Mwalimu Adalbert. Adalbert qui enseignait en 4e et qui enseignait pas mal de monde en 4e. Alors, l'autre bâtiment qui suit, je ne sais plus c'était qui. Et puis, l'autre tout au bout là-bas où il y a des enfants qui jouent. Je ne sais plus qui était là. Mais toutes les maisons du camp des enseignants, je vois que toutes les maisons sont encore là. Ça, c'est l'Institut Tangila. Ça, c'est le lycée Anno, qui aujourd'hui est devenu une grande école et qui a plusieurs sections organisées. Alors qu'à l'époque, c'était juste une école professionnelle. Mais aujourd'hui, c'est toute une grande école avec plusieurs sections et des grandes extensions qui ne sont pas visibles sur cette photo parce que c'est derrière ces bâtiments. Voilà, c'est l'école Bamama, l'école des filles. Nous appelions ça notre temps Bamama.
a les anciens bâtiments de notre temps qui sont démolis. C'est vraiment une ruine. Et là, tout au fond, c'est ce qui était la, le couvent des sœurs Xavériennes. Là-bas, c'est devenu un bureau pris en location par la CENI. Et il y a des nouveaux bâtiments qui ressemblent au modèle de fonds social. Quand nous étions nous-mêmes élèves à l'école Tanguila. Et là, ça veut dire les années 1971 à 1977. Je suis un dinosaure maintenant. Alors, nous sommes à l'école Kubamama. Je vais montrer l'école bientôt, mais pour l'instant, je suis très curieux de voir ce petit coin avec un champ. J'ai décidé de filmer ça. Et là, je vois qu'on plante un peu de tout là. Il y a du manioc en train de commencer à bourgeonner. Je vois des... Ça c'est quoi? Des courges, des maïs au même endroit. Et donc, je ne sais pas comment on appelle ça, culture associée. Oui, c'est ça, maïs. Pondou, donc manioc. Et là-bas, c'est courge. Et là, plus loin, il y a déjà des manioc. Juste dans un coin de l'école et ça semble pousser très bien sans beaucoup d'efforts. Ici c'est l'Institut Sangani. À notre époque c'était une école des filles et il n'y avait que le CO je crois, et après ici les filles allaient à l'Institut Tanguila. Maintenant je crois que c'est devenu une école entière complète et qu'il y a aussi des garçons ici. Ici, c'était la maison des professeurs, mais avant, c'était le presbytère de l'ancienne église de Kamituga, de Tanguila, qui était là, cet endroit-là. C'est là qu'il y avait l'église, il y a une autre maintenant, derrière ces arbres, et le presbytère était là. Et à notre époque, quand j'étais élève ici, il y avait des professeurs là-bas, je crois, les professeurs célibataires. Et il y avait un certain Italien, Zagatti, qui habitait là aussi et qui finalement s'est marié à une monitrice d'ici à Kamituga, et nous l'appelons maintenant, cet Italien là, nous l'appelons beau-frère Zagatti, pour avoir épousé une des nôtres. Et là à côté, c'est le très majestueux et fameux collège Tanguila, Institut Tanguila. Et je vais revenir là-dessus après pour prendre des photos. Ça c'est la classe ou les classes de 4e primaire Tanguila. Il y avait donc 4e A, enseigné de main de maître par Mwalimu Adalbert Lutombo, et 4e B. Quand moi j'étais en 4e, c'est Mwalimu Nyandulu qui était donc enseignant en 4e B. Et ici, c'était la petite bibliothèque de l'école, je crois. C'est là où il y avait des livres. Maintenant, j'ai l'impression que ça a été agrandi, parce que ce n'était pas si grand que ça à notre époque. C'est de l'eau pure, limpide, transparente. Et quoi? C'est froid. Vraiment. Ça vient du frigo. C'est la nature pure, encore ici. Ah, mon affaire. Il n'y a pas de samak, il y a un peu. Ah, moi, j'en pense. Oui. Oh, ok. Oh.
Mpande, 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 niko nakamata kisimo la pande. Donc cet arbre là, ça là, c'est le parasolier et ça peut servir à faire des cure-dents ou des bois d'allumettes, c'est ça. Ebali muika e Je voulais mon nom et moi, Nina Chouana, moi.